Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis en Christ, nous tournons vers Dieu notre Père pour la prière de ce mercredi soir. Vous pouvez suivre la liturgie dans le livret de l'ordre de célébration à partir de la page 47. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. Nous chantons le cantique, le numéro 307 dans votre livret, Chantez à l'Éternel. Trouvez dans ma vie ta présence. En présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons le péché pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte. Par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie. Et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous accorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit-Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. À la page 50, nous allons réciter l'hymne Joie et Lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint. Ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie. Tout l'univers te rend gloire. Écoutons les psaumes. Écoutons et méditons les paroles du psaume 80 et 82. Berger d'Israël, écoute, toi qui conduis Joseph ton troupeau, resplendis au-dessus des kéroubim, devant Éphraïm, Benjamin, Manassé, et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Seigneur Dieu de l'univers, vas-tu longtemps encore opposer ta colère aux prières de ton peuple, le nourrir du pain de ses larmes, l'abreuver de larmes sans mesure? Tu fais de nous la cible des voisins. Nos ennemis ont vraiment de quoi rire. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. La vigne que tu as prise à l'Égypte, tu la replantes en chassant des nations. Tu déblais le sol devant elle. Tu l'enracines pour qu'elle remplisse le pays. Son sombre couvrait les montagnes et son feuillage les cèdres géants. Elle étendait ses sarments jusqu'à la mer et ses rejets jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu percé sa clôture? Tous les paysans y grappirent en chemin. Le sanglier des forêts la ravage et les bêtes des champs la broutent. Dieu de l'univers, reviens. Du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la. Celle qu'a plantée ta main puissante, le rejeton qui de toi sa force. La voici détruite, incendiée. Que ton visage les menace, ils périront. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dans l'assemblée divine, Dieu préside. Entouré des dieux, il juge. Combien de temps jugerez-vous sans justice? Soutiendrez-vous la cause des impies? Rendez justice aux faibles, à l'orphelin, faites droit à l'indigent, au malheureux. Libérez le faible et le pauvre. Arrachez-les aux mains des impies. Mais non, sans savoir, sans comprendre, ils vont au milieu des ténèbres. Les fondements de la terre en sont ébranlés. Je l'ai dit, vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut, vous tous. Pourtant, vous mourrez comme des hommes, comme les princes, tous vous tomberez. Lève-toi, Dieu juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Malachie, chapitre 4. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains,
et tous les méchants seront du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Ici se termine la lecture. Matthieu, chapitre 11, les versets 2 à 19. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez, rapportez à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est faussé et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent « Nous avons joué. Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamenté. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Ici se termine la lecture. My heart, Lord,
Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le son de sa voix. Je vivrai de bonheur et de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne n'efface, c'est le vœu de mon âme à toi fait. Un seul instant auprès de toi vaut mieux les heures et la route, tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne par vie de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le son de sa voix, et sans rien que le son de sa voix, et sans rien que le son de sa voix. À la page 51, disons ensemble le cantique de Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur.
Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi les merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa grâce à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons dire le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit nous soutienne. Prions encore le Seigneur. Collecte pour demander aide dans les périls. Collecte pour demander la présence du Christ. Collecte pour demander la protection divine. Sois notre lumière dans les ténèbres, Seigneur, et dans ta miséricorde infinie, protège-nous des dangers de la nuit qui vient. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse.
Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent, veille ou pleure cette nuit, et donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades. Seigneur Christ, donne le repos à ceux qui sont fatigués. Bénis les mourants. Soulage ceux qui souffrent. Console les affligés et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour. Amen. Dans le silence de notre cœur, nous remettons à Dieu nos intentions personnelles au nom de Jésus-Christ. Nous tournons à la page 58 pour dire ensemble la prière de l'action de grâce. Ensemble, Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu lui donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours, nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons dire la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque deux ou trois se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec nous. Amen. Ici prend fin ce temps de la prière du soir. Merci à vous tous de votre participation. Merci spécial au révérend Père Didier Latua qui a pris du temps pour faire le montage. Merci à vous tous et bonne nuit en Christ.